coucou tout le monde, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. Je vous avais prévenu sur mon compte Instagram que j'allais faire un vlog de mes vacances. Donc là aujourd'hui je vous prends, on est le 7 août, il est 6h51 et on va pas tarder à partir. Donc mon sac qui est ici, voilà, du coup je vais le fermer et je vais y aller. Donc voilà, pour l'instant on est sur le départ, on va partir dans quelques minutes. Et comme prévu, je vais vous filmer un petit peu de ce qu'on va faire tous les jours. Donc bien évidemment, je vous dirai ce qu'on va faire. Je vous montrerai aussi les make-up que je ferai le soir et comment je vais m'habiller. Et voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un petit make-up vert comme ça, avec beaucoup de mascara. Je voulais pas mettre de faux cils, comme ça au moins, je suis tranquille. Après, j'ai mis donc un crop top blanc, comme ça. Et après, en pantalon, j'ai mis genre un pantalon vert comme ça, hyper long, en bas. Donc voilà, du coup aujourd'hui je suis habillée comme ça. Désolée pour le cadrage de ce matin. Normalement, pour les autres jours, ça devrait aller mieux pour poser mon téléphone, etc. Donc ça ira plus vite et du coup ce sera mieux. Mais là du coup, vu que c'est le matin et qu'on va partir, laisse tomber. J'ai pas le temps de vous mettre correctement et tout, donc voilà. Bonne vidéo à tous et bon vlog. Bisous. Re-coucou tout le monde, je vous reprends du coup. Là on est le soir, désolée je vous ai pas filmé cet après-midi. Mais honnêtement on n'a pas fait grand chose de passionnant. Genre on est allé juste se baigner à la piscine. Et honnêtement j'ai plus profité que filmer, donc voilà. Sinon du coup ce soir j'ai fait un petit maquillage, donc j'ai fait ça. J'ai essayé de faire un smoky violet. Mais c'est coussi coussa quoi. Donc du coup voilà, les faux cils viennent de chez Shane, donc le site. Et sinon j'ai utilisé les fards à paupières de chez James, enfin de la palette James Charles, de chez Morphe. Du coup voilà, mais du coup en fait je pensais faire le make-up pour sortir et finalement bah en fait on a eu un petit contretemps, enfin bref. Voilà, du coup en fait on est allé prendre des panini à la boulangerie, donc voilà. Parce qu'en fait de base on voulait manger tacos hein, quand même hein. On est quand même loin du compte. mais du coup c'est quand même bien, donc là on est chill, chill au camping. Et puis bah voilà quoi. Et je vous montrerai ma tenue après. Du coup voilà, donc là on va manger. Moi j'ai pris un panini au poulet et un coca. Voilà. Et du coup je vous montre ma tenue juste après. Du coup je vous montre mon outfit comme je vous l'avais promis. Donc là j'ai un t-shirt crop top que j'ai pris à Jennifer. En fait de base c'est un t-shirt long, mais du coup bah j'ai fait un trou derrière, donc bah, je l'ai tout coupé. Et franchement c'est trop beau. Et en pantalon, alors attendez. Hop, voilà. C'est un pantalon large, un peu effet côtelé. En chaussures, c'est ça. Des chaussures blanches de basique, quoi. Et puis voilà. Donc, bah, du coup, on se retrouve demain. Bye bye. Coucou tout le monde. Donc, je vous filme. Là, on est genre 17h de la journée. J'ai complètement zappé de vous filmer, genre ce matin. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, comme on n'avait pas beaucoup de choses à faire, en fait, on est juste sorti ce matin. Et on allait faire 2-3 courses parce que, vu qu'on est dans un mobilhome, il faut qu'on fasse des courses et tout pour pouvoir faire à manger. Donc, du coup, on allait faire des courses jusqu'à midi et demi. On est parti genre vers 9-10h et on est revenu pour midi et demi. Donc, en fait, on a mangé. Et une fois qu'on avait fini de manger, du coup, on est allé à la piscine. Voilà. Donc c'est pas une journée très très remplie. Demain, si j'oublie pas, j'essaierai de vous filmer parce qu'en fait on va aller à la plage à Marseille. Donc du coup ça va être assez cool. Donc voilà. Du coup on va aller à la plage demain et le soir on mangera tacos vraiment. Enfin, en fait je vous dévoile un peu tout avant, mais de toute façon vous verrez demain. Enfin je vous le dis quand même parce que si jamais je loupe de filmer, bah je voudrais pas trop à ne pas louper, mais au moins comme ça vous savez ce que je vais faire quoi. Du coup voilà, donc j'espère comme ça en filmant du coup je pourrais vous montrer la plage, la mer et tout, enfin, ça pourra faire un peu saliver et
pour le soir et un peu genre rêver pour les autres, voilà, ou pas pour ceux qui y vont ou quoi, mais voilà. Donc du coup et puis là du coup on reste tranquille ce soir, on va faire à manger dans le mobilhome du coup, et puis bah on va rester là tranquille en fait, voilà. Donc du coup bah je vous dis à demain. Et normalement, bah ouais, du coup ce soir j'aurai pas d'outfit, pas de make-up non plus. Donc du coup ça ce sera la seule vidéo pour mardi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve demain. Bisous. Coucou tout le monde. Du coup là on est à la mer. Du coup là. Il fait hyper chaud. Bon, désolé, je garde mes lunettes parce que sinon je vais clamser carrément. Et du coup, on est à la mer là. Et du coup, je vais vous montrer donc la vue. Elle est genre trop belle. Vous la montre juste après parce que du coup, je peux pas faire le retour de caméra là. Donc voilà. Mais sinon, c'est beaucoup trop beau. Et voilà quoi. Yes. Donc voilà. Donc là, on a un pont viaduc, un truc comme ça. Donc là, juste ici, en fait, il y a un TER qui passe. On a des trop grands canyons et tout, c'est trop gros. Là, du coup, on a une petite plage ici. On a un trait de cailloux, enfin de rochers. Donc c'est trop beau. Sachant que là-bas, là, la plage ici, du coup, elle est avec des cailloux et tout. Donc ça fait un peu mal aux pieds. Et genre, vu qu'il y a le soleil qui cagne dessus, bah ça fait... franchement, ça brûle les pieds de malade. Et du coup, voilà, toute la vue qu'on a... C'est magnifique, clairement. C'est trop beau. Du coup, voilà. Et du coup, ouais, là-bas, donc voilà la plage. Là, en fait, c'est tout avec des cailloux et tout. Et de l'autre côté, on est avec du sable. Du coup, voilà. Du coup, voilà, donc... Je vous filme pas plus de choses maintenant. J'ai pas filmé quand je me suis baignée parce que bon, ça allait être chiant quand même. Et du coup, bah, je vous reprendrai tout à l'heure parce qu'on va aller chercher du coup des tacos. Et donc, du coup, bah, je vous montrerai du coup ce que j'aurais pris. Ce que j'aurais pris comme tacos. Et puis, je vous montrerai aussi du coup si genre je m'habille ou pas. Mais normalement, ça devrait être la même tenue que les jours précédents. Donc, ce sera peut-être pas trop ouf de vous montrer ça. Mais voilà quoi. Donc bah, j'espère que, honnêtement, mes vlogs sont vraiment chelous, genre je montre vraiment pas grand chose, ça va être chiant à regarder, enfin je regarderai au montage, mais bref, voilà, donc j'espère que la vue vous plaît, etc. J'essaierai peut-être dans ma story Instagram de vous mettre quelques photos, etc. Je vais en prendre là maintenant et je vous en mettrai dans la story Insta. Donc ceux qui sont abonnés à ma chaîne, du coup, allez bien vous abonner à mon Instagram. Donc c'est Guestars Beauty, tout attaché. Guestars Beauty, donc GAYSTARSBEAUTY. Et donc tout attaché du coup. Donc Stars, bien ou pas oublier le S à la fin. Et du coup voilà, et c'est de la même chose pour mon TikTok aussi. Donc voilà, j'espère que du coup ça vous aura plu. Je vous prends des photos et puis je vous dis à tout à l'heure. Re-coucou tout le monde, du coup on est rentré. Comme prévu, petit tacos. Du coup, moi j'ai pris quoi? J'ai pris nuggets, tenders et mayonnaise. Voilà, j'aime beaucoup trop, c'est trop bon. Avec un coca, bon il est là, mais j'ai la flemme. En même temps, il tient mon téléphone. Voilà. Et sinon voilà, là du coup ce soir on va aller juste à la piscine genre pour finir la journée et puis pour se défouler encore un peu quoi. Et puis bah du coup je vous avais dit dans la vidéo précédente, enfin dans le truc juste avant, que du coup j'allais m'habiller tout et que ça allait peut-être une tenue et tout. Finalement j'ai eu la flemme donc j'ai gardé cette tenue là et voilà. Et petite précision aussi, ma sœur voudrait montrer, elle a fait des tresses africaines sur la plage, en gros il y avait une meuf, elle faisait ça. Et du coup, bah, elle en a fait. Du coup, je vous mettrai une vidéo où je vous les montre juste après. Du coup, voilà. Bisous. Kiss. Donc, du coup, voilà, du coup, je vous montrerai les tresses à ma sœur. Donc, du coup, voilà. Donc, en gros, il y en a deux. Et c'est tenu par un petit truc là. Et sur le devant, en gros, ça fait genre comme ça. Ça part d'ici, du coup, et ça va jusqu'en bas, quoi. Bref, des tresses africaines, quoi, pas compliqué. Enfin, pas compliqué, j'y arriverai pas, hein, mais voilà, quoi, le résultat, de loin.
Voilà, bisous, à demain. Coucou tout le monde, donc là je vous filme un petit peu, je sais pas si vous m'entendez bien, mais donc là du coup on est à la piscine. Depuis le début de la semaine je vous ai pas montré la piscine, donc du coup comme ça au moins ça fera l'occasion de vous la montrer, je vous la montrerai juste après. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui je vais pas non plus filmer beaucoup parce que on va rester juste bas au camping et à la piscine, du coup aujourd'hui ça va pas être très très productif, si vous voyez ce que je veux dire. mais normalement les autres jours on devrait retourner à la plage et tout, mais sur une autre plage, du coup vu que c'est sur une autre plage je vous montrerai et tout, du coup voilà, du coup bah, je vous montre juste la piscine juste après quoi. Bisous. Voilà la piscine là bas du coup, là il y a un truc buvette, genre on peut boire et tout, mais genre ça c'est entre midi et deux. Là, là les transats, là-bas aussi. Là du coup c'est l'entrée, bon, c'est un peu compliqué et tout. Et là du coup c'est toute l'étendue de la piscine. Là-bas au fond, là-bas il y a une pataugeoire. Et puis bah là c'est tout. Coucou tout le monde, bon je vous prends d'un cadre un peu bizarre. Mais du coup aujourd'hui du coup c'était pas prévu, mais en fait on va aller à un marché nocturne. Entre guillemets, bon, c'est encore tôt le soir là. Encore mais... Mais du coup, on va vous montrer nos outfits avec moi et ma soeur. Du coup, let's go en fait. Tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y, commence. Ok, donc moi perso, je porte un pantalon large, un peu. Côtelé. Voilà. Large. En bas, j'ai des chaussures blanches. Chaussures blanches, ouais, des Kriegs, il me semble. En haut, c'est un haut que ma mère m'a donné, je sais même plus la marque que c'est. Voilà. Je sais pas. Après, j'ai un collier du coup ici avec un petit strass comme ça qui vient de chez Shein. Et ensuite, au maquillage, j'ai essayé de faire j'ai fait en fait un liner fumé et tout et tiré de ouf. Et j'ai mis des petites paillettes et tout un peu dorées. Enfin, là, vous voyez du coup comment ça fait, c'est magnifique. Attends, et des fossiles du coup qui liftent. Voilà. Pas ma voix, donc du coup, je vous laisse. Et puis, déposons le Shein. Je vous laisse avec ma sœur. J'ai un peu trop ma voix, mais tranquille. Donc, une jupe verte qui vient de chez Shein. Petit top blanc qui vient de chez Shein aussi. La banane vient de chez Shein. Donc, les Nike, elles viennent de Intersport. Les lunettes, elles viennent de chez Shein. Ensuite, en bracelet, j'ai celui de ma mère. Et celui-ci vient de chez Shein et celui-ci vient de je sais plus où, mes deux colliers, c'est des colliers que j'ai pris d'une boutique indépendante. Voilà. Et pour mes tresses africaines, moi elles tiennent. Et voilà, sinon je me présente, je suis la sœur de Rémi. Voilà. Voilà, j'espère que la petite outfit soirée vous aura plu. Putain, je dois tomber. Et puis on se donne rendez-vous demain pour la suite de la de vacances en fait. Bisous. Bisous bisous. Coucou tout le monde, je sais pas pourquoi je suis hyper content là pour filmer. Alors de base, la journée aujourd'hui, on devait vraiment pas faire grand chose. Honnêtement, bon en fait, on n'a pas fait grand chose, j'avoue. Là, ce soir, on a juste une soirée qui est annoncée donc dans le camping. En fait, c'est chiant parce que tu sais, vous savez, normalement dans des campings et tout, ils vous annoncent les trucs pour la semaine entière. Comme ça, vous pouvez genre savoir à l'avance ce que vous allez faire et tout. Oh my god, je faisais ma nuit là, voilà. Ce que vous allez faire et tout. Et du coup, non, en fait. C'est vraiment le jour même, quoi. Genre, on sait. Pour le soir. Et c'est un peu chiant, j'avoue. Donc là, du coup, ce soir, on va, en fait, ça va être un DJ show, un truc comme ça. Donc ça va être assez cool. Enfin, je sais même pas si on va rester longtemps en bas. J'en sais rien, on va voir. Et du coup, j'ai fait une nouvelle outfit et nouveau make-up. Donc je vous montrerai ça après avec ma soeur, si ça vous intéresse. Et du coup, je ferai juste cette vidéo-là. Où je vous parle et la vidéo juste après, donc les outfits et le make-up bien évidemment pour vous montrer un petit peu. De base j'étais pas censée filmer parce que du coup on avait rien à faire de la journée parce qu'on a juste on est juste allé à la piscine finalement, donc en fait on n'a pas fait vraiment grand chose de ouf aujourd'hui, mais sinon demain on va aller à la plage. Du coup ça devait être aujourd'hui parce que les jours d'avant je vous avais dit en fait que c'était du coup aujourd'hui, et du coup bah en fait on avait la flemme d'y aller aujourd'hui, donc en fait on y va demain.
Mais du coup, aujourd'hui, donc là ce soir, bah, on a fait le. On va voir la soirée DJ truc. Et du coup, demain, on va à la plage. Donc, je vous montrerai ça, bien évidemment. Et je vous rappelle que du coup, le vlog se finira dimanche. Donc, je vous montrerai aussi quand je rentrerai. Quand je rentrerai, pardon. Et puis voilà, j'essaierai de vous montrer aussi quand je rangerai mes affaires et tout, si ça vous intéresse. Puis pour ceux qui ça intéresse pas, de toute façon ce sera la fin de la vidéo, donc vous pouvez couper avant et puis ne pas regarder. Donc voilà, on se retrouve juste après du coup pour vous montrer mon make-up, les quelques bijoux que j'ai du coup, la tenue et puis ma soeur pareil si elle en a envie. Je vous le dirai juste après. Voilà, bisous. Oui. Re-coucou tout le monde, du coup on va faire nos outfits du soir. Donc ma sœur ici a à peu près la même tenue qu'hier, mais elle va vous remontrer quand même. voilà. Moi du coup j'ai tout différent à part mon pantalon et mes chaussures, mais je vais vous remontrer aussi. Donc voilà, tu veux remonter ou je commence? Je commence si tu veux. Ok, bah allez, pour une fois c'est elle qui commence. Je me trouve fraîche. Non, je rigole. Du coup la jupe vient toujours de chez Shein, hein, ça n'a pas changé. Le top, la banane viennent de chez Shein. Les Nike viennent toujours de l'Intersport. Ces deux colliers viennent d'une boutique indépendante. Ce collier, je l'ai acheté hier au marché nocturne. Celui-ci, c'est bracelet de ma mère. Ce bracelet, il vient de chez Shein. Ça, c'est un bracelet de ma mère aussi. Et voilà. Mes tresses africaines, j'ai dû les enlever. Elles étaient en train de se défaire. Du coup, voilà, je vous laisse avec mon frère. Bisous. Donc voilà, vous avez vu que la tenue n'avait pas vraiment très changé, mais... Au moins, vous avez un petit aperçu d'une tenue qui est hyper classe et que vous pouvez vraiment totalement tout faire, enfin tout, presque en tout cas, sur le site Shein. Je vous invite à y aller. Et je vous laisserai les références dans la barre d'infos. Voilà, donc on vous les mettra. Du coup, de tous les vêtements et puis les trucs de make-up, etc., ben, ouais, je vous mettrai tout. Donc du coup, voilà. Alors moi, du coup, j'ai toujours le même pantalon, donc c'est un pantalon large. Un peu... Alors, la dernière fois, j'ai essayé de chercher le mot. Est-ce que je vais le retrouver? Ah oui, en velours. Un petit peu légèrement en velours, mais c'est plus côtelé quand même que velours. Mais voilà, je voulais le dire quand même. Avec un petit croc top comme ça, en manche très très courte. Moi, pour moi, c'est très court, mais il y en a qui pour qui ça va pas être très court, quoi. Mais moi, j'ai pas trop l'habitude. Un croc top, bon, il est assez long quand même, ce croc top-là, mais il est très beau. Et lui, il vient de chez Pretty Little Things, ainsi que le pantalon, il vient de chez Shein, enfin le site Shein du coup. Et ils ont des très jolies choses, faut que vous vraiment vous allez voir. Les faux ongles comme ceci du coup viennent de chez Shein aussi. La bague Shein, pareil. Ah oui, les chaussures blanches, c'est des Kriegs du coup, la marque. Je vous avais pas dit la dernière fois, mais c'est des Kriegs que j'ai pris, je sais plus où. Et puis le make-up, du coup, j'ai juste mis des faux cils assez longs comme ça, hyper recourbés et tout. Et j'ai juste fait un rat de cils bleu comme ça pour rappeler un peu le haut, etc. Et sinon, c'est tout. Je voulais pas non plus me tartiner la gueule, donc voilà. Du coup, j'espère que la petite fête outfit du jour vous aura plu. Et on se dit à vendredi pour, bah du coup, la journée, quoi, en fait. Allez, bisous, bisous. Si le son est un peu médiocre, je mettrai peut-être une voix off, je verrai comment je fais. Mais du coup là on est à la plage, comme je vous l'ai dit, ouais, du coup vendredi on est allé à la plage, sur une autre plage que la dernière fois. Du coup je vous montre ça après, désolé si je me filme d'hyper près, mais vu qu'il y a du monde et tout autour, je préfère pas non plus et tout, donc voilà. Du coup voilà, on est sur une autre plage, là on va pas, enfin on va rester un petit moment quand même. Après on va aller faire aussi des courses pour finir un peu la semaine et puis voilà quoi. Du coup bah, je vous montre ça, je vous montre la plage juste après. Bisous bisous. Du coup voilà, ça c'est la mer. Bon là-bas du coup on a les collines avec bah, les maisons, etc. Et puis bah du coup ça fait tout ça quoi. Donc voilà, elle est quand même assez grande la mer. Du coup voilà, donc la mer est quand même assez jolie. Pour une fois on a des vagues, du coup ça c'est cool. Un petit coucou de Léonie. Coucou.
Du coup, voilà. Donc, ouais, il y a plein de bagues pour une fois. J'essaierai de prendre des photos, encore une fois. Oui, je sais, la dernière fois, je les avais pas mises en story. Enfin, si vous les avez regardées en même temps que j'ai posté la vidéo ou quoi. Donc, du coup, ouais, j'ai pas mis de photos. Du coup, voilà. Mais sinon, voilà, derrière, vous voyez un peu la plage et tout ça. Elle est vraiment cool quand même. Enfin, elle est quand même mieux que la plage d'hier. Non, c'était quand hein? Mardi? On est mardi. Oh, puis j'en sais rien. Bah, bref, la dernière fois qu'on est allé à la plage, quoi. Voilà. Beaucoup tout le monde. Du coup, là, on va manger. Je voulais vous montrer ce que j'allais manger parce que genre, je suis trop content. Du coup, je vais manger des sushis. J'arrivais à faire acheter des sushis, ouais. Ça, c'est trop bien. Oui, et d'ailleurs, c'est mon père qui me les a achetés comme ça, au moins, il sera content parce que ça lui a coûté un bras. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est cher, les sushis, hein. Mais du coup, voilà. Et puis, j'ai pris aussi la petite sauce avec parce que bon, quand même, quoi. Moi, j'ai pris la sauce soja sucrée. N'achetez pas la sauce soja salée parce que vous allez clairement ne plus avoir de bouche. Voilà. Du coup, je vais manger ça. Et ce soir, je vais vous refilmer juste après. Donc après cette vidéo-là, enfin, qu'est-ce que je dis moi, après ce moment-là, du coup, je vous montrerai aussi, je vais faire mes soins du visage, du coup, je vous montrerai tout ça tout à l'heure, sachant que tout à l'heure, on va retourner aussi à la piscine, du coup, bah, je vais y faire après la piscine, parce que bon, sinon, il n'y a aucun intérêt, et voilà. Tu veux faire coucou? Il y a ma soeur à côté. Non, juste fourchette. Monsieur. Ça voilà, et ma soeur elle mange des croque-monsieur. Du coup, bah, je vous laisse. Et tout à l'heure, du coup, bah, mais toi, tu vas faire tes soins aussi, non? Enfin, ouais, genre un petit peu. Ok, tu voudrais mettre un masque, enfin le masque à moi? Tu poses des questions à la... Ouais, écoute. Enfin, bref, voilà, donc on fera nos soins tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous. Coucou les gens, donc là, on se retrouve du coup dans la salle de bain de mon mobilhome. Bon, c'est une petite salle de bain, donc je vous filme un peu comme je peux. Mais du coup, on va faire mes soins de la semaine. Donc moi les soins je les fais plutôt le vendredi. Là c'est vrai qu'en vacances c'est un peu chiant et tout parce que ben, voilà, bon là je vous le filme donc forcément c'est plus compliqué, sinon j'aurais été tout seul et j'aurais pas filmé, du coup ça aurait été plus simple. Mais du coup voilà, donc je vais vous montrer, j'avais fait une vidéo sur mon TikTok où je faisais une routine du soir, mais du coup c'est complètement changé parce qu'en fait j'ai plus ces produits là et je peux pas les racheter. Donc voilà, du coup là je vais vous faire une vidéo où je fais donc tout simplement mes soins. Donc là je prends juste un savon de base en fait. Donc je prends en fait ça. Il y a des petits picots en fait ici et des plus gros là. Et en fait bon je me trompe que j'ai acheté à Action. Et en fait du coup je vais en prendre du coup hop, le savon. Et comme ça du coup avec l'eau. Bon du coup ça va me faire de la mousse. Et du coup pour laver mon visage parce que je suis allée quand même dans la piscine, dans la mer aussi aujourd'hui. Du coup voilà. Sinon j'espère que vous allez bien, que le vlog pour l'instant vous plaît. Là je vais avoir une tête un peu de cochon, hein, genre y a qu'à voir ma tête. Désolée, c'est pour ceux qui n'aiment pas le bruit de l'eau. Mais en vrai, au pire, si vous aimez pas du coup les vidéos où les gens font des sons et tout, vous pouvez swiper, hein, ça je m'en fous. Alors je vous le dis maintenant, mais pensez bien quand vous pouvez. Du coup, attendez, je me rince et je vous le dis. Du coup, pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me demanderaient, qui me poseraient la question, du coup, pour mon Instagram et mon TikTok, c'est la même chose. En fait, c'est Guestars Beauty tout attaché, pareil.
Et donc pensez bien à vous abonner, à liker et à commenter, parce que les commentaires, je les regarde et je vous réponds toujours, donc essayez d'en mettre. Voilà, ça me ferait grave plaisir. Et si sur Instagram vous voulez m'envoyer des messages en DM pour me dire quelque chose, ou un commentaire de sympa bien évidemment, je serai là pour répondre toujours. Donc voilà. Du coup voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais juste couper et je vous reprends juste après, parce que du coup je vais me sécher, enlever tout ça, et après on se retrouve pour le gommage, le masque et par la fin la crème hydratante. Bisous. Donc c'est bon, du coup je me suis séché le visage. Du coup là on a un visage bien lavé, etc. Et maintenant on va utiliser un gommage. Alors moi j'ai pris le gommage et le masque de la même marque, donc c'est de chez Yves Rocher, je sais pas si vous connaissez. Au niveau des soins, ils sont vraiment vraiment géniaux. Au niveau des produits de cosmétiques, un peu moins. Enfin je sais par exemple que les fards à paupières sont vraiment pas pigmentés du tout. Après le reste, au niveau des eyeliners, ils sèchent et tout. Enfin les pointes, elles sèchent très vite, donc c'est chiant. Les rouges à lèvres sont pas trop mal et les vernis sont bien aussi. Donc voilà, enfin il n'y a pas grand chose qui soit bien en cosmétique, mais après par contre pour les soins c'est vraiment cool. Donc après voilà, bon, chacun son truc, mais moi j'aime beaucoup. Donc du coup moi là c'est la nouvelle collection Pure Algues. Donc moi je vais utiliser tout simplement le gommage et éclat ultra fraîcheur à la micro algue. Donc c'est sorti il y a pas longtemps, je veux dire, genre ça fait, je sais pas moi, quelques semaines, quelques mois même. Donc voilà, du coup je prends ça comme contenance et puis je vais l'étaler du coup sur mon visage. Alors ce qui est bien, c'est que forcément il y a des grosses billes. Donc pour ceux qui aiment bien quand ça frotte, bah là au moins vous êtes servi quoi. Hop, je rince du coup. Je rince et je vous retrouve juste après. Voilà, du coup, quand on a le visage bien lavé, bien gommé avec le gommage, on va venir mettre le masque du coup. Donc de la même collection, Pure Algues, pareil. Et c'est un masque, alors franchement, la particularité de leur masque est qui est vraiment trop bien, c'est vous les laissez poser 5 minutes. Pas plus, pas moins. 5 minutes. Et franchement, bah, c'est cool pour ceux qui n'aiment pas trop faire durer les masques trop longtemps sur le visage tout simplement. Donc voilà, du coup là c'est un masque hydratant et oxygénant du coup, parce que vu que je suis allée à la mer, à la piscine tout, il y en avait vraiment besoin. Donc voilà, du coup je vous l'applique avec vous et après je couperai pour attendre 5 minutes et je reviendrai avec vous pour le reste. Donc alors attendez, parce que je vous replace. Je vous place vraiment comme je peux hein, parce que putain, pas très grande hein, la salle de bain. Moi j'ai vraiment l'habitude d'avoir une très grande salle de bain, genre que ce soit chez ma mère ou chez mon père, mais là putain c'est tout petit quoi. Bon, après c'est un mobilo donc voilà, mais quand même quoi. Oh. Alors moi franchement j'ai pris un pinceau comme ça, mais alors franchement c'est pas le mieux quoi. Parce que du coup ça me fait des marques, c'est chiant. Ouais, moi j'en mets beaucoup. De toute façon après, ce qui sera pas pénétré dans la peau, vous allez l'enlever avec. Enfin, en gros, vous allez enlever le surplus avec un coton propre bien sûr. Et du coup, bah, pas très grave quoi. Hop, tac, 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 tac. Ah oui, j'ai vu plein de personnes ne pas faire le front au niveau, enfin ouais, le front quoi, quand vous faites des masques, vous faites hein, le front, hein, c'est très important quand même. C'est pas parce que genre le front il est dessous les cheveux et tout, que faut pas faire le masque dessus aussi hein. C'est important le front aussi, hein, donc on fait le front.
Même moi, bon, c'est vrai, c'est pareil. J'ai les cheveux dessus. Donc, bon, quand je fais le masque, c'est un peu chiant pour le faire. Et tout. Et franchement, honnêtement, je me dis à chaque fois, putain, mais ça sert à rien de le faire. Ben, si. Parce que, bon, c'est quand même votre visage, quoi. Donc, et c'est votre peau. Donc, vous allez en avoir besoin, quoi. Donc, voilà, du coup, là, j'ai pas appliqué le masque. Putain, j'en ai mis un peu trop là. Voilà. Du coup, je laisse poser le masque 5 minutes et je vous retrouve juste après. Quand je reviens, du coup, je l'aurai enlevé et on n'aura plus qu'à mettre la crème hydratante. Donc, je vous la présente. Du coup, c'est la Dove. Voilà, elle est ultra hydratante. Et du coup, je vous reprends juste après. Ok, donc là, du coup, c'est bon. Ça a posé 5 minutes. Je voulais l'enlever hors caméra, etc. Mais du coup, je vais l'enlever avec vous parce qu'en fait, ce masque-là, il faut le retirer d'une certaine façon. Le masque de chez Yves Rocher, en fait, quand c'est 5 minutes comme ça, il faut juste, avec un coton comme ça, retirer le surplus, en fait, du masque qu'il y avait sur votre visage et surtout pas le... comment dire ? J'arrive jamais à trouver mes mots. Le rincer, parce que sinon, du coup, bah, il n'y aura pas les bienfaits du masque. Donc, en fait, il faut prendre des cotons et enlever, tout simplement... le surplus. Hop. Bon, je me dépêche quand même pour pas que ça prenne trop de temps dans la, bon, pour la vidéo. Hop, tac. Hop. Et voilà. Et après, normalement, vous avez une peau quand même. Je sais pas si vous arrivez à la voir, mais. Elle est hyper douce et du coup on va juste finir par mettre donc la crème hydratante. Putain, le pot il est tout mouillé forcément. Là pour vous dire quand même que je suis à quatre pattes, hein. Enfin que genre je suis sur les genoux quand même. Ah oui, si il y a des gens qui galèrent à prendre de la crème dans un pot comme ça avec des faux ongles, en fait faut tout simplement prendre vos ongles comme ça et racler sur le dessus bien sûr, et après vous mettez comme ça et vous étalez après tout simplement pas la crème que ça a mis quoi. Hop. Je vais déjà faire ça. Oh, ma peau est toute lisse. Bon, là j'en ai mis un peu trop parce que du coup on voit très bien que la peau elle est blanche. Hop. Mais après si vous en avez de trop, soit vous attendez genre comme ça et tout comme ça, du coup Vous faites pénétrer la crème et tout. Soit vous prenez du coup une serviette et vous tamponnez pour enlever l'excédent. Et du coup, bah après, hop. Voilà. Donc là, moi, je vais juste en mettre sur le front du coup. Hop, tac. Merde, j'en ai encore plein. Oui, j'en remets parce que j'en avais beaucoup trop. Là j'en mets sur le nez, je sais que j'en avoir beaucoup trop, mais je vais y enlever après. Tac tac tac. Voilà. Et voilà. Du coup ma peau maintenant elle est hyper hydratée. Et franchement, ça fait trop du bien après une longue semaine du coup. Du coup, voilà. J'espère quand même que ce petit moment vous aura plu. Voilà. Et puis, si à la fin, du coup, avec la crème et tout, et tous les trucs que vous avez mis, ça picote, ça veut dire que du coup, bah, la peau en avait besoin. Ou alors que vous êtes allergique. Faut vous renseigner là-dessus. Voilà. Je vous dis bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Coucou tout le monde, du coup là je vous filme, on est dimanche matin en fait. Je vous ai pas filmé samedi, du coup c'est pour ça que je vous filme maintenant. Juste pour vous dire en fait que samedi j'ai rien filmé parce qu'on a rien fait. Enfin on n'a rien fait, genre on est juste allé à la piscine. Du coup il y avait pas en fait à filmer, donc je vous ai pas filmé. Je vous mettrai du coup cette petite vidéo pour vous expliquer du coup quand même.
Et du coup, pour dimanche, donc là, du coup, pour aujourd'hui, ce soir, quand je vais rentrer, en fait, je vais juste vous filmer et tout pour vous montrer, vous montrer du coup quand je déballe mes affaires. Et aussi, pour vous raconter aussi un petit peu, genre, le vlog, comment il s'est passé, enfin bref, un peu des trucs comme ça, quoi. Et du coup, voilà, donc du coup, samedi, j'ai rien filmé parce qu'on est juste allé à la piscine, on a mangé, enfin bref, des trucs classiques, quoi. Du coup, voilà, donc je vous dis à tout à l'heure en fait, parce que du coup, on est déjà dimanche, donc voilà, bisous. I want someone to love me. I need someone who needs me. Coucou, donc on est dimanche soir, il est 22h05. Je filme un peu tard, mais en fait, en arrivant, genre j'étais vraiment crevée. Mais quand je vous dis crevée, j'ai été crevée. Bon, je me recule un peu parce que sinon vous me voyez pas en entier. Ouais, du coup, j'étais crevée de ouf. Parce qu'en fait, on a fait énormément de routes pour rentrer parce qu'en fait, il y avait eu des accidents, des ralentissements et tout. Du coup, c'était grave chiant. Mais bon, l'essentiel, c'est que je suis rentrée, on est rentrée du coup, avec ma soeur et tout. Et donc, comme je vous l'ai dit, du coup, là, on se retrouve pour que je range mes affaires. Donc là, du coup, j'ai mon sac ici avec du coup tous mes vêtements, mes soins aussi. Mon visage du coup que je vous ai montré dans les jours précédents, c'était vendredi du coup, donc voilà, si ça vous intéresse d'ailleurs, allez voir, donc voilà. Et à côté ici, donc on a toutes mes palettes et tout, palettes de fard à paupières, enfin vous voyez, et ma trousse du coup, j'avais tout le maquillage autre dedans, genre crayon, pinceau, non pinceau c'est dans mon sac, mais bref, tous les petits trucs quoi. Donc voilà, du coup je vais y ranger. Pour ceux du coup que ça ne plaise pas, je sais pas s'il y en a plus qui n'aiment pas ou plus qui aiment bien, mais du coup vu que je sais pas et que j'ai pas envie que ça prenne des heures le rangement, parce que si je le fais direct genre comme ça, ça va prendre au moins plusieurs minutes, voire une dizaine de minutes, donc en fait non. Du coup ce que je vais faire du coup, c'est que là juste après du coup je vais ranger mes affaires avec vous, mais que je vais ranger en accéléré, comme ça au moins s'il y a des gens qui n'aiment pas, bah du coup ils peuvent passer assez vite cette étape, ou alors ne pas regarder du tout cette étape. Et du coup voilà, il y a peut-être des moments dans la vidéo, enfin dans les moments d'accéléro où j'arrêterai pour vous parler quelque chose ou quoi, enfin de mes trucs dans mon bagage, enfin bref, voilà. Du coup bah j'espère que ça vous plaira, et du coup bah, je vais tout de suite déballer mes affaires en accéléré, et peut-être des moments de non accéléré pour vous parler de quelque chose ou vous présenter quelque chose, en bref vous verrez bien. Allez, à tout de suite. Du coup je vais commencer par ranger tout ce qui est cosmétique. Du coup donc là je vous filme comme ça, je vais ranger sur mon bureau parce que j'ai pas vraiment d'autre place, donc je vais ranger sur mon bureau. Et puis voilà, après je vous montre du coup, je range mes habits. Donc là en fait j'ai devant moi, là du coup j'ai un meuble scellé et en fait je peux mettre du coup des choses, donc je vais ranger là. Du coup je vais vous filmer juste après aussi. Voilà, à tout de suite, en accéléré. Moi j'ai pris du coup ce pot de crème du coup pour en fait m'aider à emporter des bijoux en vacances, et du coup moi j'ai pris un petit pot de crème que j'ai fini, bien sûr de la crème que je mettrai pour mon visage, mais du coup en gros je l'ai bien nettoyé etc, et du coup j'ai mis mes bijoux à l'intérieur. Bon, j'en ai pas pris beaucoup, je vous conseille si vous partez en vacances pour l'été, I'm so sorry. Oui, du coup je vous conseille pour l'été de ne pas prendre beaucoup de bijoux parce que sinon vous allez crever de chaud clairement. Donc moi du coup j'ai juste pris ce petit bracelet là, attendez, je sais pas si vous allez vous voir en fait. Ce petit bracelet là en strass, si ça vous intéresse je mettrai en barre d'infos. Donc du coup voilà, donc ce petit bracelet là, la croche elle est genre comme ça. Bref, j'espère que vous voyez quand même. Voilà. Du coup donc voilà, il est trop beau. Voilà, après du coup j'ai cette petite bague, oh, comme ça,
elle est genre beaucoup trop belle. Comme ça, du coup, ça rend bon. J'ai pas mis jusqu'au bout parce que sinon après j'ai un peu du mal à l'enlever. Puis on n'a pas vraiment le temps en fait. Du coup, voilà. Et après, j'ai pris que deux bagues. J'ai pris deux bracelets et un collier. Les deux bracelets, je les ai clairement pas mis. Par contre, les bagues, j'en ai mis une seule. Et sinon, le collier, j'ai mis une fois aussi. Après, j'ai une autre petite bague avec un petit cœur, comme ceci. Et du coup, sur le doigt, voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Après, j'avais un autre petit bracelet, du coup, avec un rond, comme ça, de strass. Il est trop beau, l'ouverture du bracelet, du coup, est pareil. Voilà. Mais je glisse, en fait, enfin, le téléphone glisse, hop. Du coup, voilà. Et après, en collier, du coup, on a juste une petite chaîne comme ça. Avec, bon, j'ai changé la chaîne, mais voilà. Et du coup, après, on a du coup un petit strass comme ça. Donc, c'est hyper simple, mais c'est trop mignon. Et franchement, il n'y a pas besoin d'avoir plus de bijoux. Bon, si vous aimez porter des bijoux et tout, vous pouvez en prendre plus. Mais bon, moi, je trouve quand même que pour l'été, il n'y a pas vraiment besoin de prendre beaucoup de trucs. Donc après, moi, j'ai pris juste un collier, deux bracelets et deux bagues. Mais si vous voulez prendre, par exemple, deux colliers et une bague et puis, je sais pas, moi, trois bracelets, par exemple, bah, vous pouvez, genre, je veux dire, voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pas besoin de prendre énormément de bijoux. Voilà. Allez, gars, on y retourne. Bon, clairement, je vais vous bouger. Je vais vous mettre, du coup, là-bas sur mon bureau. Comme ça, vous pourrez voir quand je range, du coup, de près mes affaires. Parce que là, je suis avec ma trousse. Donc, ce sera plus simple. Du coup, je vais vous bouger. Et je vous dis tout de suite. Go, c'est reparti. Donc là, du coup, je fais juste une petite pause juste pour vous faire une piqûre de rappel. Alors, moi, j'ai énormément de maquillage. Je vais vous montrer un peu plus. Voilà, j'ai tout ça. Et encore là, j'ai toute ma palette et tout. Bref, voilà. Donc, j'ai beaucoup de maquillage parce qu'en gros, moi, dans mes tenues, le maquillage, en fait, ça fait partie de mon look. Et genre, je kiffe le maquillage. Je veux dire, je veux devenir make-up artiste. Donc, c'est pas pour rien. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément de trucs que j'ai pris. Mais parce que je kiffe ça et puis que même que ce soit en été, genre, je le ferai, quoi. Donc, voilà. Du coup, bah, c'est reparti, je range tout, une fête, allez go. Ok, donc du coup là, c'est bon, j'ai tout rangé, bah, j'ai rangé juste comme ceci. Bon, pour vous, ça va pas être rangé, mais pour moi, du coup, oui. Et du coup voilà, donc on a rangé tout ça, maintenant on va s'attaquer juste au pinceau. Allez go. Ok, du coup c'est bon, j'ai mis donc les pinceaux, je les ai juste mis genre comme ça. Histoire que bah, du coup je les enlève du coup de ma trousse qui se trouve ici. Parce que du coup bah, faut quand même que j'ai tout. Parce que là je reste encore une semaine chez mon père pour les vacances. En fait j'ai resté deux semaines chez lui. Donc une semaine du coup pas pour les vacances. Enfin pour les vacances à Aix-en-Provence. Et une semaine du coup à la maison. Donc on va bien sûr faire des activités. Mais du coup voilà, donc j'ai tout répertorié ici. Comme ça au moins j'ai un visuel dans ma chambre. Du coup comme ça au moins je vois où c'est. Et du coup, je peux me servir de ce que j'ai besoin quand je me maquille, etc. Du coup, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le make-up, je vais juste vous montrer un petit peu. Donc là, du coup, j'ai mes palettes. Là, j'ai tout ce qui est soin, ici. Là. Oh là. Ici, du coup, j'ai tout ce qui est rouge à lèvres, là. Blush, mascara, là. Et après, là, j'ai du coup mes paires de fossiles. Et là, mes pinceaux. Donc voilà, du coup j'ai tout rangé, enfin du moins pas rangé mais répertorié ici. Du coup voilà, donc les moments où je parle là, du coup je serai du coup normal, hein, je parlerai normalement. Et les autres moments où du coup je suis en train de ranger et que je parle pas, du coup ce sera en accéléré, vous inquiétez pas. Donc du coup voilà, je vous retrouve juste après du coup bah, pour ranger les vêtements. Bisous, bisous.
Recoucou du coup, donc là on se retrouve pour les vêtements, donc je les ai mis tous ici, voilà, je les ai tous là. Et donc du coup je vais juste vous parler d'un truc juste avant de ranger, et après du coup je ne parle plus du tout, parce qu'il n'y a que ça à vous dire en fait. Donc du coup, pour les gens du coup qui commandent souvent sur le site Shein, ou Shein, peu importe, ou alors sur des sites du coup internet où vous recevez vos articles du coup dans des sachets plastiques comme, comme cela, vous voyez, bon c'est un placement de produit mais vous inquiétez pas. si, donc oui du coup si vous recevez des articles dans des sachets comme ça, donc que ce soit Shein ou peu importe en fait d'autres marques, sachez qu'il faut les garder ces sacs parce qu'en fait ils sont hyper importants. Bah vous voyez, moi par exemple j'ai mis des habits dedans. Parce qu'en fait c'est tellement plus simple à ranger dans votre valise et tout. Et puis en plus, même si vous n'avez pas la possibilité de vous acheter du coup des sachets comme ça, ou alors vous ne vous commandez pas sur les sites et du coup vous n'en avez pas, maintenant il y a des sachets qui existent, hein, d'ailleurs pour tout type de choses, des objets, des peluches, enfin tout en fait. Même les couettes d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs ça fait un gain de place quand qu'on utilise. En fait c'est des sachets où vous allez donc à zip, hein, comme celui-ci. Bon, là, il y a un zip en fait, comme ça. Et après, ça s'ouvre ici. Et donc, en fait, c'est la même technique pour les sachets que je vous parle. En fait, c'est des sachets où en fait, vous allez mettre du coup, que sais-je, à l'intérieur. Et en fait, vous allez avoir un genre de petit rond à l'arrière. En gros, je vous montre. En vrai, ici par exemple, vous allez avoir un genre de rond où en fait vous allez insérer en fait tout simplement votre tuyau d'aspirateur. Vous allez tout simplement en fait mettre sur le mode pas sur le mode du coup aspirer, mais sur le mode souffler. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais genre bah si, du coup je suis con. Et Willy. Non, si, sur aspirer du coup. Et du coup, vous aspirez l'air qui est à l'intérieur. Et en fait, ça veut dire que du coup, il y aura plus d'air à l'intérieur. Donc en fait, ça va tout aspirer. Et du coup, ça va vraiment aplatir au maximum. Donc en fait, c'est vraiment le mieux. Moi, j'avais que cela, donc j'ai fait comme ça. Mais que ce soit cela ou ce que je vous parle, c'est quand même hyper bien. Et ça fait vraiment gain de place. Même pour les couettes dans les placards, je vous jure, c'est hyper bien. Je sais pas si je trouverai un site qui vend du coup ces trucs-là sur internet. Si jamais, je vous mettrai en barre d'infos. Et puis bah sinon on range tout de suite, voilà voilà. Un dernier sachet, mais en fait je vais pas vous montrer en vidéo parce que c'est mes sous-vêtements en fait. Voilà, c'est pas vraiment que je voudrais pas montrer, mais bon c'est un peu intime quand même, hein, donc on est quand même pas encore à là. Ok, du coup donc là c'est bon, j'ai tout rangé, bien sûr ce sera en accéléré. Alors du coup je vais vous montrer de plus près comment c'est rangé avec la caméra de derrière juste après. Et puis sinon après je vous reprends juste après en fait pour vous reparler juste pour la fin de la vidéo. Et puis après du coup j'aurai fini le vlog. Et puis voilà, à tout de suite. Ok, du coup voilà, donc là du coup j'ai mis des t-shirts. Bon là j'en ai encore aussi ici, mais du coup j'ai pas cette place, vous voyez bien que ça touche presque en haut. Donc du coup j'y ai mis ici. Là j'ai mis donc le pantalon en semi-cuir rouge que vous avez déjà dû voir. Le pantalon fluide comme ça mais qui est trop long, donc je vais devoir le raccourcir. Mais en fait là je pars un peu dans... Bref, du coup là j'ai mon jean aussi. Donc là c'est les pantalons en fait. Après ici c'est mes shorts parce que du coup j'étais en vacances, donc j'en ai pris. Et du coup bah là c'est mes t-shirts et puis mes t-shirts aussi. Enfin t-shirt, le truc noir ici c'est un body. Et là celui-ci du coup ça c'est ma mère qui me l'a donné en jaune comme ça. En fait il a un dos nu avec un nœud et un décolleté en V hyper plongeant. Donc voilà. Du coup je vous reprends tout de suite. Ok. Du coup, on est à la fin de la vidéo, enfin la fin du vlog, du coup.
Donc, en fait, je voulais juste vous prendre ce petit temps-là à la fin pour vous parler un petit peu. Donc déjà, j'espère que le vlog que j'ai filmé vous aura plu. C'est la première fois que je fais un vlog aussi long, d'ailleurs. Bon, en même temps, j'en ai jamais fait de toute manière. Mais en fait, c'est la première fois que j'en fais un de vlog. Et donc, j'espère déjà qu'il vous aura plu, j'aurais été assez explicite dans les phrases et tout que j'aurais dites, parce que j'ai pas encore assez pris la main avec la caméra. Enfin, c'est compliqué de parler à un téléphone quand même. Enfin, après, pour moi, pour l'instant, c'est un téléphone. Peut-être que plus tard, j'aurai une caméra, j'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon téléphone. Donc même que ce soit la caméra ou le téléphone, c'est compliqué. Donc voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même, parce que du coup, j'y ai quand même pensé toute la semaine à vous filmer un petit peu tout ce que je faisais du coup dans la semaine. Des trucs bien sûr intéressants à vous filmer, parce que bon, vous allez le voir dans le vlog, mais le samedi 13 août, si je m'abuse, là du coup je vous explique en fait que je n'ai rien filmé, à part du coup la petite vidéo où je vous explique finalement, en vous disant que du coup on est juste allé à la piscine et tout, et que ça servait à rien que je vous filme parce que c'était pas vraiment intéressant. Donc voilà, en plus de ça, j'ai essayé vraiment de filmer des choses intéressantes et importantes, telles que les plages, tout, comme il y en a qui y vont pas, donc voilà, je suis assez sympa là-dessus. Je filme aussi les outfits et le make-up que je faisais. En même temps, je l'avais déjà dit sur mon compte Instagram, dans ma story, parce que je l'ai pas mis à la une du tout. Mais voilà, je l'avais dit dans ma story. Et puis j'avais fait aussi, une annonce, enfin une grosse annonce de toute manière. Donc voilà. Et puis j'ai filmé aussi quand je mangeais, de quoi je mangeais en fait, mes repas et tout, donc qu'est-ce que je mangeais le soir et puis le midi. Le matin, ça servait à rien parce que franchement c'était pas intéressant du tout, mais enfin voilà, j'ai essayé de faire vraiment un vlog complet, donc j'espère que ça vous aura plu. Si ce moment là vous gêne et vous fait chier en fait, vous pouvez swiper, enfin franchement moi ça me fait rien du tout. Mais par contre, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker quelque chose, parce que franchement, quand vous likez quelque chose, ça me fait tellement du bien en fait. Et franchement, je suis trop là à vous répondre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la voir aussi si vous passez par là et vous la voyez. Moi, ça me rendra déjà très heureux. À vous abonner à ma chaîne, parce qu'on a déjà 24 ou 25 abonnés, un truc comme ça. Donc si on pourrait être un peu plus, ce serait cool, sachant que sur Instagram, j'ai plus de 700 abonnés, que si y en a quelques-uns qui pourraient venir nous rejoindre sur ma chaîne YouTube, ce serait trop trop bien. Et puis bien évidemment, à activer la cloche des notifications pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Là, c'est le cas, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je ne sais pas combien de fois je devrais le répéter, mais pour moi, c'est hyper important que ça vous plaise. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. À quoi ça va bien de foutre ici, ça? Bref, voilà. Donc, à la prochaine vidéo. Et bye bye tout le monde, c'était GetSearchDuty.